I am a princess. All girls are. Even if they live in tiny old attics, even if they dress in rags, even if they aren't pretty or smart. Bienvenue sur la chaîne Edore Style. Je suis Emma Dore. Et aujourd'hui, je vais vous montrer différents styles que vous pouvez faire avec un chapeau fedora ou n'importe quel chapeau. Le premier style est pour des événements classiques. C'est un peu plus raffiné que le reste des styles. Donc, je vais commencer par friser mes cheveux. J'utilise un fer 1,5 pouces de Baby Bliss. Et la raison pourquoi j'adore ce fer, c'est parce qu'il y a une option que vous pouvez utiliser. C'est un petit bouton qui fait le fer vraiment chaud, vraiment vite. Quand vous n'avez pas le temps, c'est une bonne option. À chaque boucle de cheveux, je vais mettre un clip pour maintenir la boucle plus longtemps pour quand je suis prête à faire le style. Mes sections sont environ de taille médium. Je me concentre plus sur les pointes des cheveux puisque le reste des cheveux va être en dessous d'un chapeau. Et n'oubliez pas de spray du hairspray à chaque section pour maintenir la boucle plus longtemps. And I do this for my dogs, my girl, and all the family. And if you've been where I've been, you will understand me. You understand. Praying that my wings won't fail me now. Hoping that my feet won't touch the ground. Et je prends un instant pour danser parce que mes bras sont tellement chauds. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment j'installe ma perruque et comment je la colle pour qu'elle a l'air vraiment naturelle, laissez-moi un commentaire. I'm blessed. I don't even need that stress. Look, shawty on my arm breaking necks. Probably cause she know I'm breaking necks. I never ever say I can't cause I walk with an S on my chest. Et voilà la dernière section. Je vais laisser pour environ 30 minutes. Dans ce temps-là, vous pouvez aller boire de l'eau, du thé, café, méditer, n'importe quoi. Et avec mes meilleurs outils, qui sont mes mains, je vais commencer à bouger les boucles la façon que je veux. Cette partie est vraiment personnelle parce que ça dépend de vos cheveux, l'épaisseur. Vous faites juste jouer avec vos mains. Et pas peur. Et voilà le premier look. Un style classique, élégant et quand même vraiment simple à faire. Vous pouvez mettre votre chapeau de différentes façons, mais comme vous pouvez voir, moi, je préfère le mettre comme ça à cause que j'ai une grosse tête et c'est juste plus confortable.
Maintenant, j'ai commencé le deuxième look et je vais ajouter des tresses. Vous auriez besoin des petits élastiques pour mettre à la fin de la tresse pour la maintenir. Faites juste prendre un élastique la couleur de vos cheveux. Ce style est vraiment désordonné et organisé, tout en même temps. Maintenant que ma tresse est faite, je vais tirer sur la tresse parce que je veux vraiment que ça a l'air désordonné. Donc, ce look est vraiment un look comme si je me suis réveillée comme ça et je me suis dépêchée et je suis sortie. Mais vraiment, on a pris notre temps pour le faire joli. Tryna be completely debt free. I know people that's upset that I don't have a plan B, and I do this from. Je fais sûr de friser la pointe de mes cheveux juste pour que ça va avec le reste de mes boucles. Et pour plus de volume et pour mon look, je spray mes cheveux avec le hairspray et je brosse à l'opposé. Ça va vous donner beaucoup de volume. N'ayez pas peur, vous pouvez toujours changer l'effet avec vos mains ou une brosse. Le montant de tresse que vous mettez, ça dépend à la texture ou l'épaisseur de vos cheveux. Moi, cette perruque a beaucoup de cheveux. C'est vraiment épais. Je vais mettre 3-4 tresses et je fais sûr que les tresses sont plus sur le bas parce qu'on veut que ça fait un effet comme peek-a-boo. Et aussi, vous voulez pas le mettre trop haut. Ça va être pas confortable quand vous avez votre chapeau. Pour les cheveux plus fins, je mettrai 2-3, peut-être les faire un peu plus minces et faites sûr de tirer sur les tresses. Et voilà notre deuxième look, vraiment sexy, parfait pour un rendez-vous. Un look désorganisé et organisé en même temps, vraiment chic. Et notre dernier style, on va ajouter de la texture. Moi, j'ai utilisé un fard à 3 barreaux, mais vous pouvez utiliser n'importe qu'est-ce que vous avez. Le point, c'est d'ajouter une différente texture de qu'est-ce qu'on a déjà. Et vous pouvez utiliser la texture où ça vous convient. Un truc, si vous n'avez pas de différents fards, vous pouvez toujours tresser vos cheveux et les détresser. Ça crée le même effet, ça crée une texture. Et comme tout autre style, ça dépend vraiment de la forme de votre tête, l'épaisseur des cheveux. Donc, allez avec qu'est-ce qui va paraître bien pour vous. I'm chasing nothing but a check. Everybody got a little debt, but
wanna be completely debt free. I know people that's upset that I don't have a plan B. And I do this for my dogs, my girl, and all the family. And if you've been where I've been, you will understand me. Et voilà, j'adore le look. J'espère que vous aimez ça aussi. C'est vraiment joli, vraiment désorganisé, mais vraiment chic. Laissez-moi savoir si ce look a fonctionné pour vous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'abonner, partager et aimer. À ma prochaine vidéo. Bisous!